Fais gaffe, hein, on t'a dit. Hein. Ça compte, le clear. Eh, hey, ça compte, hein. J'ai dit que ça comptait, donc ça compte, on est en maternelle. Messieurs, dames, nous sommes donc sur Brawlhalla. C'est un jeu un peu de baston. Certains le comparent un peu à Smash. Je pense que c'est pas du tout comme Smash. Mais voilà, grosso modo, vous avez compris. Chacun choisit un perso, on se met sur la gueule. Et le but, c'est d'éjecter l'autre de la map. J'enlève la veste, let's go. Crois-moi, je vais te tordre le cou, mon petit pote. Je viens d'acheter le pack à 15 balles avec tous les champions. J'espère bien te tordre le cou. Merde. Merde, la pay to win. J'ai sorti le pay to win. La Lobbizy règle ses comptes sur Brawlhalla. Moi j'écoute mon chat, il me conseille un perso. Mais ça se trouve il me fout le troll et il pue la merde. Ça ferait oh non, il met un arc mec. Amber il donne trop envie, c'était le perso que j'aurais pris si j'avais eu tout acheté. Moi je pense à rien, valeur sûre. Je vous fais totalement confiance, je suis sûr que c'était un choix judicieux et génial. Je vous aime ma commune. Cette victoire, elle est pour vous. Il est comment mon Zariel, il est comment mon Zariel. Mort. Oh mais il est trop rapide mon perso, c'est trop bien. Un coup je suis ici, boum, après je passe là-bas. Hop. En fait je suis derrière toi, boum. Mais non. Bah oui, et voilà, fou. Ça rage, et voilà. Oh, allez, vas-y. Tiens, petit rageux. Mais regarde. Regarde ce qu'ils font, c'est énorme. Ne craque pas, reste focus. Non, arrêtez de me focus, sérieusement, je m'en bats les couilles, je reste là pendant 20 minutes, quoi. Il connaît tous ses coups par cœur aussi maintenant. Mais oui, il connaît tout par cœur. Mec, j'appuie sur tous les boutons comme un gros retard, viens pas me parler de ça. Allez hop, le loup. Le loup éclataxe. Éclataxe. J'avoue que c'est éclataxe. Qu'est-ce que tu parles d'éclataxe? Il va te croquer mon loup, mon pote, tu vas rien comprendre. Le prochain qui parle mal du loup, je vous jure, je le défonce. Le loup. Oh bâtard. Ah hey. Arrêtez de me focus, mais battez-vous entre vous. Je suis nul. Oh, ah, 1 mm près, j'ai dit. Oh là, la bande de noobards. Vas-y, c'est bon, moi je joue AFK comme vous. Regarde ce coup comme il est OP, putain. Je vous ai fait honte, le chat. Je vous ai fait honte, je suis désolé. J'en ai marre, j'ai toujours l'impression d'être focus quand je joue à plusieurs. Je suis un vrai rageux, les gars, ça va pas du tout. Allez, qui va gagner? Attention, 2 vies chacun. Ça dégage. Plus qu'une vie pour Dwagby. Mais Dwagby peut se concentrer, peut remonter. Son perso a l'air horrible, mais on y croit. Ah mais c'est un truc de ouf. Le mec il spam comme un gros retard. Rageux. Et moi vu que mes attaques elles sont trop lentes. Oh Dwagby. Oh Dwagby. Quel gros noob lui, putain. Et le clear qui commence à rager. Attention, faut pas que ça atteigne Dwagby. Il ressort le coup de l'arc trop OP qui va très vite. Oh, Dwagby qui soit un petit peu maîtrisé, ça va être très serré. On a fait 6 d'un duel de champion. Allez, y'a Dwagby qui perd ses moyens, il ne sait plus comment re-rentrer dans cette partie. Mais... Et ce petit coup qui a failli être le dernier de la part de l'Oclear. Dwagby qui revient pour peut-être prendre l'arme, il l'a vu, il l'a repéré, il obtient les gants, c'est pas soi, préféré, c'est terminé. C'est moi, c'est un personnage incroyable qu'il a dans les mains. Donnez-moi un perso comme lui. Ah, je suis cœur. Tiens, c'est victoire méritée, c'est pour ça que je suis content. Cuisine mode spec, ça va? Je vais t'éclater, mon gars. Dès qu'on me dit que les games comptent, moi je commence à tryhard. Là, pour l'instant, c'est de l'entraînement, tranquille, je teste des trucs. Le premier à 2 victoires gagne le tournoi, jusqu'à présent, c'était que de l'échauffement, on y va. Et regarde, il joue tout le temps 2 fois le même. Mais gros, on a pas acheté le jeu 50 balles, gros. C'est vrai qu'on a que personne, nous, mais. La honte. Attends, l'autre, il fait quoi? Ouais, bah, j'avoue que là, tu mérites un peu plus. Qu'est-ce que tu parles? Viens me battre un petit peu. C'est le bleu que tu dois taper. T'inquiète, je suis dessus, t'inquiète. Ah, les nuls. Très avance. Qu'est-ce que j'aime entendre des petits putains de Squeezie. C'est vrai qu'ils font plaisir. Tu attendais pas à cette belle claquette. J'annonce, j'ai trouvé mon perso, les gars. C'est incroyable, Locker de se faire bolos comme ça. Après avoir... dit-il à 2v1. Pas de 2v1, moi, si je peux vous avoir tous les deux en même temps, ça m'arrange. Ah, c'est bon. Bon, ça va, t'as fini? Oh non. Ouais, dégage. Oh la bombe cross qui m'a mis, mon pote. Oh le karma instant, quoi. Moi j'aime vraiment pas le perso, hein. Ah, c'est un perso de fou, il faut être Locklear pour l'aimer, gros. Dit-il en train de rester AFK dans le coin, tu sais. Tu fais quoi avec ta AFK en fait là? Tu veux que je t'éjecte en fait, c'est ça? J'essaie de jouer comme toi. Ah ouais, c'est marrant parce que je joue pas du tout comme ça et tu vas être éjecté, je crois, fais gaffe. Non. Fais gaffe, hein, on t'a dit, hein. Oh, ils sont trop stun. C'est gros noob. Ça compte, Locklear. Ça compte, hein. J'ai dit que ça comptait, donc ça compte, on est en maternelle. On le retrouve. Le Locklear du Lethal League, il va t'en manquer. Je la veux celle-là, toi, tu le sais au fond de toi. Je sais, c'est pour ça que je te propose un duel de gros niveau. Un truc que t'aurais pas pu ressentir avec Locklear. Oh putain, il a bien calé bien riche. Ouais, Doug, il va gagner parce que t'as décidé de me focus, Squeezie. Ça dégage. Non, putain. Okay, impossible qu'il gagne, Squeezie. Pour l'instant, il m'a touché plus que l'inverse. Hein. Ah ouais, bah normal, toi, tu tapes une fois toutes les minutes. Ton perso de gogol, là. Squeezie, dans le rouge. Attention, Squeezie, t'es dans le rouge. Ça veut dire que tu vas décoller. Oh, oh
Waouh. Gauche à coup, Squeezie, tu décolles. Je peux remonter. Les deux côtés, on voit qu'ils jouent leur vie, hein. Tous les coups sont permis, mon pote. Non. Yeah. Perso, puis la grosse mort. Et après, vous ragez contre moi. Il a un 0. Allez, je rejoue le même, les gars. Je rejoue Giro. Quel tryhard. Je vais évoluer en Giro phare. Je vais vous démolir, les gars. Oui. Oui, allô. Allô. Calme-toi avec ton bazooka. J'ai un tonneau, mec. Allez, on va montrer tout ce qu'on est capable, là, avec le vrai personnage. Waouh! Il est venu de loin me chercher celui-là. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pareil, genre les deux veulent ma peau? Trop bas. C'est quoi ça? Aïe! Tu vas mourir, Dwight. Tu le sais. Tu fais la balle rebondissante, Wagby. Oh, bâtard, il est venu de si loin. Oh, yes. Ok. Oh, le bâtard, il est bon là. Fais gaffe, Locke, il est bon là. On parle, on s'amuse, mais il revient. Mais oh, yes! Oh, il est au bazooka. Oh, oh cette patate. Il m'a mis one punch, mon gars, c'est de la folie ce qu'il m'a mis. Mais je suis mort. Non mais j'ai l'impression de chercher l'agression tout le temps, moi au moins. Ah, toi, non. J'ai pas le choix, mec. Bien sûr que je l'ai eu, vous allez tous y passer là, je prends plus un coup maintenant, vu de ma mère. T'as deux vies, Squeezie. Ah, en fait, t'es l'eau de ouf. Tu l'as dit toi-même. Alors c'est quoi ce coup de chat, quoi? Le mec il avait pas fait exprès. Mec, j'ai pris le pire perso de la planète. Moi je suis le seul qui joue en fait. Là les deux ils sont mis en mode full tryhard. Et moi c'est Clopord en train de se battre là. Comment je le fais ce coup là, les plaies? Je vais crever putain. T'es mort Squeezie, t'es mort. Non. Un partout putain. Moi j'ai des couilles, je prends les persos, c'est un peu faible. Je le fais en aléatoire, ok? Ah ça j'aime bien, ça j'aime bien. Vas-y, fais random aussi là, clé. Ah non, moi c'est fini. Vous avez fait deux games tryhard, moi j'en fais une. Il prend son vieux Ariel de merde. T'es mort, Locke, t'es mort. T'es mort, mec. Oh, y'a un mec qui a eu mon perso. Dommage pour toi. Wow. Calmez-vous, c'est quoi ce focus hard là? Non. Oh, c'est bon. Je suis un mongol. Non, pas, ça arrive. Par contre, il va gagner. Ah, j'ai trop les murs. Vas-y, défonce-le. Je mets une patate, il va dégager. Non, je me suis pris un seul focus. Il faut niquer Locker vraiment là, mec. Écoutez-le, il a la dalle. Pourquoi je peux plus sauter? Va savoir pourquoi. Super jeu très stratégique. Ok, on l'a eu une fois. On peut le réavoir. Vas-y, go tue le mec avec sa mitrailleuse là, putain. Il est pas si naze en ce perso. J'avoue. Ça va là maintenant, toi. Tellement fumé ce perso. Oh là là. Et dire que tu savais même pas jouer Zarian. Pense de nous, pas meilleur Zarian de la planète. Non mais je suis en train de t'envoyer un putain de... Eh gros, mon pote. Il est trop nul ce perso. Non, on l'a mis au milieu, on l'a éclaté. Oh, c'est toi ou moi qui gagnons, mais c'est pas le client, Dwight. Non, t'es seul. On a perdu un soldat. Squeezie, passe à Locklear, mesdames et messieurs, pour le dernier round peut-être de cette troisième manche. Après un partout entre Dwagby et Squeezie. Au point, les cloches tout le parfait. La décale droite-gauche, double patate, on essaie de précharger un coup. Locklear en difficulté, qui arrive plus vraiment à trouver un combo, qui arrive même plus à mettre les pieds sur terre. Squeezie qui enchaîne bien, hein, qui laisse pas son adversaire respirer une seule seconde. On joue même avec les mines. Il fait vraiment preuve de diversité dans son gameplay, Squeezie. C'est ça qu'on remarquera, contrairement à Locklear qui essaie de passer toujours le même combo. Attention. Précisons les best of, cet idiot a marché sur sa propre mine. Balle de match, bonne chance à tous, je vous aime. Tu t'es pris ta propre mine. Si tu me focuses, tu vas perdre. Aïe. Bien joué. Ouais, le seul qui a les couilles d'être au milieu. Rage plus que ça encore, s'il te plaît. Quel perso de merde, putain. J'adore mon perso, mec. J'adore mon perso, je peux me limiter mes attaques. T'es mort, t'as mal parlé. Un doigt qui est bien. Oui. Non, vraiment là. Oh, l'autre il spam ses attaques dans son coin. Putain. Bien, oui. Oh, la chatte. Oh, la lance qui fait trois fois l'écran. Allez, Squeezie. Mais regarde sa putain de taille de bâton à ce bâtard là. Ouais, t'as vu, on est d'accord. Vraiment, tu peux faire, le GG pour ma game, s'il vous plaît, face on à Squeezie, le numéro 1 sur YouTube. Mais regardez, il restera toujours le plus naze. Et le sniping.
Je perds pas une game. On ne peut qu'applaudir Dwagby. C'est une lourde défaite pour le Clear et Squeezie, mais il faut savoir accepter que le plus nul d'entre nous tous fut meilleur. Dwagby. Quoi? J'ai pas entendu, il a dit quoi? T'es vraiment le boss, bravo. Merci, je préfère.